Pour son retour à Abidjan, après Adiaké et San Pedro, le ring s'est réinstallé dans le hall du parc des sports de Trècheville. Au menu, deux combats du championnat professionnel. Catégorie super léger, Palin Fossier, dit Mayweather, doit affronter Adjé Marcelin. Mayweather apparaît vêtu d'une blouse blanche et sa médaille de champion. À son actif, 15 combats, 14 victoires, dont 6 par abandon. Il se pointe au coin rouge, jamais son challenger, Adjé Marcelin, ne se pointera au coin bleu. Mayweather est déclaré vainqueur par abandon après un shadow. Je n'ai pas d'adversaire ici. Tous ceux qui vont monter contre moi, c'est des adversaires que je les ai déjà battus. Donc, ça ne vaut plus la peine qu'ils montent. Je voudrais que la Côte d'Ivoire n'a qu'à savoir. Le jour que je monte sur le ring, c'est la Côte d'Ivoire qui est sur le ring. Si on parle de Didier Drogba en football, on parle de Mireur Aouré aujourd'hui en athlète, on doit parler de Sié Palinfo, dit Moeser en boxe. C'est ça qui est mon objectif. Deuxième combat du championnat professionnel, celui de la catégorie Milou, qui oppose Keita Moriba en blanc à Meunier Patrick Joël. La devise de Joël, qui combat peut perdre, qui ne combat pas a déjà perdu. Premier round, Joël déstabilise Moriba. Ses fans appellent au chaos. Troisième round, Moriba tombe. L'arbitre international Edoukou Oku procède au contrôle d'usage. Il proclame le chaos et déclare Joël vainqueur. C'était pas un combat facile. Je vois qu'on a beaucoup de travail, mon adversaire, moi, pour devenir des grands boxeurs. Mais aujourd'hui, je suis content de la victoire. Je remercie tous mes compatriotes, mes amis. Pour sa sixième journée, le challenge national Félix Houphouët-Boigny pour la paix a drainé du public.